Depuis près d'un an, je vous parle de ma folle idée, de mon grand projet, et ce, sans jamais le citer. Eh bien, ma folle idée, la voici. Cette course de ma vie, c'est... Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Regardez ce qui sort. Mon livre, mon nouveau livre. Donc c'est un livre beaucoup plus gros que le premier. Donc vous devez vous dire, encore une influenceuse qui sort son livre, qui écrit son livre. Mais ce livre, c'est pas juste un livre comme ça. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce livre? Et bah tout simplement, il va y avoir trois parties. La première partie, ça va être, on va dire, moi, personnellement moi. Je vous parle de moi, on va dire, intimement. Ce moment où je me suis débattue, où j'ai crié, j'ai supplié pour ne pas y aller. Mes parents, qui auraient tout fait pour m'épargner, les infirmières, les piqûres et les médecins, mais qui voulaient me sauver la vie avant tout. Je vais vous dévoiler des choses que j'ai jamais dites sur les réseaux sociaux, que j'ai jamais dévoilées sur internet. Il y a des gens qui passent aussi, des relations qui n'ont duré qu'un temps, mais qui ont marqué certains moments de ma vie. Des hommes que j'ai aimés et que je n'oublierai pas, qui m'ont appris, donné, soutenu, voire bouleversé. Peut-être que c'était plus facile pour moi de l'écrire que de le dévoiler sur le net. Je vais vous parler de mes premiers petits copains, je vais vous parler de la relation que j'ai avec mes parents. Je vais vous parler aussi de l'argent, parce que c'est vrai que l'argent pour beaucoup de gens c'est tabou. On n'en parle pas beaucoup, mais tout le monde a besoin d'argent, tout le monde pense à l'argent. Et je pense que c'est important d'en parler, je vais vous expliquer combien je gagne, comment je gagne ma vie, etc. Et je vous dévoile en exclusivité dans ce livre la course folle que j'ai fait, le projet que je vais faire, pour lequel je m'entraîne depuis des mois et des mois. Et c'est surtout aussi le projet sur lequel vous êtes plein à essayer de deviner. Il n'y en a pas beaucoup qui ont deviné, mais franchement je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être très surpris. Il y en a beaucoup qui se trompent ou qui sont persuadés qu'ils ont raison. Mais moi en tout cas je vous conseille vraiment d'aller voir et de découvrir mon projet et de m'accompagner dans ce projet. Donc voilà, moi je suis très fière de pouvoir vous le dévoiler aujourd'hui et de un peu vous le lâcher parce que je le gardais au fond de moi. Donc c'est hyper cool pour moi de pouvoir vous en parler sur ce livre. La deuxième partie dans laquelle je vous parle des 4 sports que je fais plus une petite partie bonus leleu. Donc vous allez avoir une partie sur la course à pied, une partie sur le vélo, une partie sur la natation et une autre partie sur tout ce qui est fitness, musculation, renforcement et bien sûr les bonus leleu. Donc par exemple si vous êtes coureur, si vous courez depuis un moment, vous n'allez pas forcément apprendre quelque chose, mais vous allez peut-être apprendre quelque chose si vous voulez vous mettre au vélo, vous mettre au triathlon, vous mettre à la natation et inversement dans les autres sports. C'est pas forcément quelque chose pour les gens qui font du sport depuis un moment, qui connaissent déjà pas mal de choses, les bases et un petit peu plus, mais si vous commencez un sport, si vous avez envie de connaître un peu plus ou si vous avez envie de connaître un peu mes petites astuces, mes petits bonus et on va dire mes petits secrets d'avant course et après course, et je pense que vous allez bien rire parce que vous allez en découvrir des belles sur moi. Et la troisième partie, ce sont des exercices à faire chez vous ou alors à la salle. Vous êtes très nombreux à me demander des programmes personnalisés, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à faire des programmes sachant que je ne vous connais pas personnellement. Je préfère le faire avec des gens que je vois souvent, que je peux encadrer, que je peux corriger et que je peux, on va dire, motiver et amener, on va dire, en vrai, en direct, en live. Du coup, je vous ai condensé ici les exercices de base, des exercices que vous pouvez faire chez vous, que vous pouvez faire à deux ou vraiment à plusieurs. Si vous débutez à avoir des bases, acquérir des bases, même si vous êtes débutant, vous allez pouvoir progresser au fur et à mesure, vous avez des options. Donc voilà, donc juste un petit peu les exercices de base pour pouvoir vous mettre au sport et au fitness. Comment j'ai écrit ce livre? Alors c'est vrai qu'il y en a peut-être pas mal qui veulent se demander comment on écrit un livre, et bah j'ai vraiment envie de vous dire que c'est pas du tout comme je pensais. Ça a pas été, on va dire, on prend ses idées, on les met sur un papier, pas du tout. J'ai dû réfléchir un peu qu'est-ce que j'avais envie de vous livrer, quelle est ma partie personnelle que j'avais envie de garder et quelle était ma partie personnelle que j'avais envie de vous livrer aussi. Parce que c'est vrai qu'on entretient, on va dire, un peu un lien sur les réseaux sociaux. Et ici, j'avais envie d'avoir un lien un peu plus intime avec vous, d'avoir quelque chose d'un peu plus personnel avec vous, d'écrire des choses de mon passé, peut-être me replonger dans des moments de ma vie qui n'ont pas été forcément faciles, des choses qui n'ont pas été forcément évidentes, mais c'est aussi des bonheurs que j'ai retranscrits. Donc il y a des moments où j'étais tellement heureuse de pouvoir réécrire ça, des fois ça n'a pas été facile de repenser à certains moments, et j'ai vraiment envie de vous dire que je suis pas toute seule derrière ça. Donc mon domaine clairement c'est le sport, mais l'écriture pas du tout. Du coup il fallait que je trouve quelqu'un qui m'aide, qui puisse m'aider à écrire ce livre, mais je voulais pas que ce soit quelqu'un que je prenne comme ça, qui écrit. Je voulais que ce soit quelqu'un qui me connaisse vraiment, qui me connaisse pour ce que je suis, pour ce que je fais et pour ce que je suis un petit peu derrière tous les réseaux sociaux. Du coup je me suis tournée vers Chloé.
Chloé qui est mon amie, qui me connaît vraiment pour plein de choses, et du coup c'est elle qui a pu vraiment écrire tout ça, surtout sur la partie intime, qui a pu mettre tout ça sur papier. Elle avait commencé à écrire certaines choses, j'ai eu mon accident et on a dû tout réécrire parce que il y a des choses qui ne collaient plus, comme par rapport à mon projet secret, bah il y a des choses qui collaient plus, et du coup je suis très contente d'avoir pu écrire ce livre avec. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Stand.